in den kommenden Tagen über Lourdes TV nachverfolgen. Diejenigen unter Ihnen, die glutenfreier Nahrung bedürfen, es besteht in diesem Gottesdienst die Möglichkeit, unter dem großen Kreuz hier am Altar entsprechende Hostien zu empfangen. Wollen wir uns in diesem Jahr der Barmherzigkeit an den wenden, der nun in unsere Mitte kommt? In Christus zeigt sich das Gesicht Gottes, des barmherzigen Vaters, der uns aufruft, dass auch wir barmherzig sind, wie wir heute im Evangelium hören. Unser Leben wird irgendwann einmal zur Rechenschaft gezogen. Wollen wir uns auf die Fürsprache der heiligen Bernadette und der Gottesmutter an ihn wenden, damit auch wir es vermögen, barmherzig zu sein wie unser Vater im Himmel. Lasst uns nun gemeinsam einstimmen in den österlichen Ruf Halleluja. Bonjour et bienvenue à vous tous, pèlerins de Lourdes, ici rassemblés pour notre messe internationale en ce dimanche. Je suis heureux de que je peux accueillir aujourd'hui de manière spéciale les nombreux pèlerins du diocèse de Namur avec Monseigneur Pierre Varin, qui préside notre messe. Bienvenue aussi aux pèlerins du diocèse de Tournai. Et bienvenue à tous ceux qui sont venus seuls, avec des amis, en famille, et aussi tous ceux qui sont devant leur ordinateur pour être liés avec nous et prier avec nous pendant cette Eucharistie, chez eux, peut-être dans leur chambre de malade, peu importe. Soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, la parabole du riche et du pauvre Lazare devant sa porte, pas question de riche et de pauvre, mais d'être attentifs les uns pour les autres. Soyons-le aussi pendant cette Eucharistie et soyons-le dans notre vie de chrétien. Accueillons les uns les autres en chantant avec joie. Alléluia. Good morning and a warm welcome to you all, pilgrims from Lourdes gathered here for our International Mass, and also to those who are linked with us through Internet and TV Lourdes. You are all very welcome. I'm glad that I'm welcome to the pilgrims from Peace Tours, pilgrims also from the Archdiocese of Zagreb, Croatia, and a group of pilgrims from Poland. We celebrate together, attentive, rich or poor, young or old, sick or in good health, but to be attentive for one another, like Jesus tells us today with his parable. Let us welcome each other by singing Alleluia. Goedemorgen, hartelijk welkom voor onze internationale mis vandaag hier in deze basiliek op deze zondag. Hartelijk welkom aan alle Nederlandstalige pelgrims ook en meteen ook aan hen die met ons zijn verbonden langs het internet en TV Lourdes. Allen van harte welkom. En ik begroet vandaag in het bijzonder de pelgrims van de VNB met de groep van Zutphen hier aanwezig. Welkom ook aan de pelgrims van Mardaga uit Belgisch Limburg. En aan de pelgrims uit de groepsreizen van Maaskant en Pelikaanreizen, hartelijk welkom ook.
Straks horen wij de parabel van de rijke vrek en de arme Lazarus aan zijn deur. Het is niet alleen een zaak van rijk en arm, het is een zaak van aandacht hebben voor elkaar. Ons hart openstellen voor elkaar, samen. De vreugdes en samen de zorgen delen. Laten wij ons hart voor elkaar openstellen en laten wij in vreugde samen Eucharistie vieren. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le Seigneur sauve son peuple. Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le Seigneur sauve son peuple. Alléluia. Il est venu le temps du Seigneur. Il est venu le règne de Dieu. Croyez à l'Évangile pour être sauvés. La bonne nouvelle est annoncée. Está cercano el tiempo de Dios, está cercano el reino de Dios, cree en el Evangelio de la salvación. La buena noticia anunciada. Zeit der Herrschaft des Herrn. Jetzt ist die Zeit, die er festgesetzt. Die frohe Botschaft des Herrn bringt uns Leben und Heil. Die Botschaft des Herrn. Gekommen ist, het kommt.
van die kruighoud, aan waar de blijde boodschap en hij wordt gered. Aan armen gegeven, de blijde boodschap, de zin dat zo als een et avec votre esprit. I greet cordially the pilgrims of English language. Viele Grüße
an den Deutschsprachigen. Beste Grüßen an die Niederlandsprechenden. Tanti saluti agli amici venuti dalla bella Italia. Amis pèlerins, une barque échouée sur une plage d'où la mer s'est retirée, elle est condamnée à l'enlisement des sables, à moins que le flux ne vienne la chercher. Ainsi en va-t-il de l'homme, laissé à lui-même, il ne peut rien changer à sa vie, ou si peu, prisonnier qu'il est de ses habitudes et de ses pesanteurs. Mais que vienne à lui le flot de l'amour de Dieu, le voilà entraîné dans un courant formidable. Au début de cette célébration, accueillons les flots de la miséricorde divine. Gesù, figlio di Dio, venuto per rivelarci l'amore del Padre, Kyrie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pax hominibus, bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus, rex celesti, Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Peccata mundi miserere nobis, qui tolis peccata mundi
soci per precazionem nostram, qui sedes ad exterram patris miserere nobis, quoniam tus orus sanctus, tus orus dominus, tus orus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei Patris. Seigneur, Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lectura de la profecía de Amós. Así dice el Señor Todopoderoso: ¡Ay de los que se fían de Sion y confían en el monte de Samaria! Os acostáis en lechos de marfil, arrellenados en divanes, coméis carneros del rebaño y terneras del establo, canturriáis al son del arpa, inventáis, como David, instrumentos musicales. Bebéis vino en copas, os ungís con perfumes exquisitos y no os doléis del desastre de José, pues encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. El Señor liberta a los cautivos. Iluminate, Señor, con
dichter verschaft hij recht. De Heer heeft brood aan wie ongeheet, gewaarnen heeft hij de vrijheid. De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen. Daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ter overstaan van vele getuigen. Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt. En van Christus Jezus, die van Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd. Bewaar dit gebod, onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die God ons ter rechterzijde zal doen aanschouwen. Hij, de gelukzalige, de eeuwige heerser, de grote koning en de opperste Heer, die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in het ongenaakbare licht. Geen mens heeft hem gezien. Of is in hem staan te zien. Hem zij eer en eeuwige macht. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Pauvre lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Alléluia, 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 alléluia. Gesù Cristo da ricco che era si fece povero, per arricchire noi con la sua povertà. Alleluia, 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 alleluia. Gesù Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza. Jesus Christ was rich, but he became poor for your sake, to make you rich out of his poverty. Alleluia, 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 alleluia. Jesus Christus, der reich war, wurde uns Liebe arm, und durch seine Armut hat uns reich gemacht. Alleluia, 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 alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu.
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi. Tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua : Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit : Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Sprich hilf diener Leister, üb Worden seine Worden, wann will leben. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia,
un pauvre était couché devant le portail d'un riche. Ami pèlerin, en recevant cette phrase d'Évangile aujourd'hui, je pense d'abord aux réfugiés, aux nombreux réfugiés qui campent aux portes de notre Europe. Il ne faudrait pas que celle-ci, face aux migrants, soit une forteresse de confort sans réelle ouverture. Il est bon de rappeler que le flux migratoire vers l'Europe est très restreint en comparaison de ce qu'il est ailleurs dans le monde, et que ce sont souvent les pays les plus pauvres qui portent le plus grand poids de la solidarité. Il n'est pas rare de percevoir, même chez des chrétiens, des mouvements de recul vis-à-vis de l'étranger. On lit en Matthieu 25, « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. » J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Il semble qu'aujourd'hui, les chrétiens ont de la peine, surtout à reconnaître Jésus dans l'étranger. Un peu plus loin, la parabole du riche et du pauvre Lazare parle d'un grand abîme entre le riche et le pauvre. Dans le monde, le fossé entre riche et pauvre ne cesse de se creuser. Ce grand fossé dont parle la parabole ne concerne pas seulement l'aujourd'hui, mais aussi la vie après la mort. Mon ami, dit Abraham, aux riches entrés dans le séjour des morts, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que de chez vous on ne puisse venir chez nous. Qu'est-ce à dire? Eh bien, que pour Dieu, notre attitude vis-à-vis du pauvre qui grelotte au dehors est déterminante. Au dernier jour, disait l'abbé Pierre, il ne nous sera pas demandé si nous avons été pratiquants ou croyants. Il nous sera demandé si nous avons été croyables. Toi qui as connu le Dieu compatissant, as-tu été compatissant? Toi qui as connu le Dieu riche en miséricorde, as-tu ouvert ton cœur à la misère de l'autre? Je relève encore que dans la parabole, il n'est pas dit du riche que c'est un mauvais riche. Il a simplement joui de ses richesses, mais cela l'a empêché de voir le pauvre qui gisait devant sa maison, et cela l'a coupé de Dieu. L'argent peut tout fausser, nous a averti Jésus. Je vous raconte encore cette petite parabole. Un homme dont la richesse avait
endurci le cœur, s'en vient trouver un rabbi dans l'espoir de retrouver la joie. Le rabbi lui dit, « Regarde par cette fenêtre et dis-moi ce que tu vois. Je vois des hommes qui vont et qui viennent dans la rue. » Alors le rabbi lui tend un miroir. « Regarde dans ce miroir et dis-moi ce que tu vois. » L'autre répondit, « Je me vois moi-même. » Et le rabbi d'expliquer la vitre de la fenêtre et le miroir sont tous deux faits de la même matière première, le verre. Simple différence, le verre du miroir a été recouvert d'argent par derrière. Quand tu étais pauvre, non couvert d'argent, tu voyais les autres. Devenu riche, couvert d'argent, tu ne vois plus que toi-même. Sans doute vaut-il mieux que tu grattes le revêtement d'argent pour qu'à nouveau tu puisses voir les pauvres et recouvrer la joie. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Pater in cieli et terre, Visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Domino, et omnes con, Filium Dei.
Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions pour l'Église. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que le Seigneur la protège et la fasse grandir, prions le Seigneur. Te rogamus audinos. The young, so that in their choice of life they will seek to be at the service of their brothers and sisters rather than serving their own personal interests. We pray to the Lord. Te rogamus audinos. Prions pour les vocations. Per le vocazioni sacerdotali, perché non manchi a nessuno il pane della parola e il pane dell'Eucaristia. Preghiamo il Signore. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour la paix dans le monde. Für die Regierenden. Dass Gott ihnen helfe, Ordnung, Gerechtigkeit und Frieden zu erhalten. Lasse zum Herrn uns beten. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour ceux qui souffrent. Por todos los que están agobiados por preocupaciones y miserias, para que reciban la ayuda de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, audinos. Te rogamos, audinos. Prions por las personas malades. Por los zieken en nuestras familias y gemeenschappen. Dat God hen troost en sterkte biedt, laat ons bidden. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour cette intention. Preguem al bon Déu, per mitjà de la Mare de Déu de Lourdes, ens omplim pel seu amor els nostres cors i ens ajudi a ser cada cop millor. Vers els més necessitats i desvalguts. Preguem. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple. Et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension, auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplice ergo Domine de precamur, ut ec munraque tibi sacranda de tulimus, eodem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiam, Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus, ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem et tibi gratias agens benedixit, fregit deditque discipulis suis dicent, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod
pro vobis tradetur. Simili modo postquam scelatum est, accipiem calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Salvator mundi, alleluia, alleluia. Qui per crucem tuam et resurrectionem tuam liberasti nos, alleluia, alleluia. Expectamus adventum tuum, alleluia. Mores igitur Domine, eius dem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae tuae et agnoscem hostiam cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii tui refecimur, spiritus eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ucum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Joseph, eius sponsu, cum Beatis Apostolis tuis, et gloriosis martiribus, cum Santa Bernadette, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua pot te confidimus adiuvari. Ec hostia nostrae recollectionis proficiat quesumus Domine, ad tutius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris. Cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Nicolao, cum Episcopali ordine et universo terra clero, et omni populi acquisitionis tue, volus suius familiae, quam tibi salutare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersus, tibi clemens pater misericordiae contingui. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur,
per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et in ipsum et in ipsum, a te Deum Patris omnipotenti, in unitate Filii tui Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Heureux, oui, heureux sommes-nous d'être invités par le Seigneur à sa table. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jesucristo nos reúne, eres nuestro Salvador. Todos juntos con mi iglesia somos cuerpo del Señor. Jesucristo nos reúne, eres nuestro Salvador. Jesucristo nos reúne,
estadios entregado por nosotros, con nosotros está Dios. Pan de Dios para el camino, con nosotros está Dios. Jesucristo nos trajo, Signore, che ci sei.
Prions. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ce mystère et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen nomini domini benedictum. Ex hoc nunc in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Alleluia. Ei volken nascis allom. Alleluia.
Amen.